Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle Web TV. Aujourd'hui, lundi 19 mars, nous partons pour les 50 ans de ski à Bruzon. Il neige et même si la visibilité n'est pas très bonne, nous avons 20 cm de fraîche. Les 50 ans du télé. Je fais un temps un peu de chat, mais il y a un peu de poudre. Il fait pas trop froid, c'est magnifique. Bonjour. Salut. Racontez-nous comment ça se passe aujourd'hui à Bruzon. Faut lui demander à elle, elle a des skis en bois. Pas évident, mais ça va. Le but, c'est pas d'être habillé comme toi. Il faut être habillé il y a 30 ans, 50 ans ou 60 ans en arrière. Et puis, il faut monter au Grand Cerf pour avoir des points. Ici, il faut boire un verre, puis manger la fondue. Ici, il y a la fondue géante. Et puis la raclette, puis à Jodassin, c'est vraiment formidable. Eh bien aujourd'hui, c'est les 50 ans du ski sur Bruzon, même si la société a été reprise en 1973 par Téléverbier, donc le ski existait auparavant, avec quelqu'un de très très dynamique, Monsieur Marais, Louis Marais, qui s'est occupé de cette société. Et c'est assez amusant parce que le ski dans le Val-de-Bagne, à titre personnel, la première fois que je suis venu dans le Val-de-Bagne, c'était pour skier à Bruzon, où mon papa avait donné des coups de main sur le plan économique à la société avant qu'elle soit reprise par Téléverbier. Donc j'ai des attaches très particulières avec cette société. Et ce qui est aussi fort aujourd'hui, c'est que 50 ans, c'est un petit peu la fin d'une époque, puisque cette année, nous allons construire la nouvelle télécabine depuis le Châble, qui va complètement changer... révolutionner, j'allais dire, le ski sur Bruzon avec une vraie station. On va passer de micro-station à vraie station avec vraiment des installations qui sont modernes et qui seront, j'espère, les premières d'une série de changements, puisque nous avons prévu aussi modifier le télésiège de la Pazé et construire un nouveau télésiège de Chargera avec en plus, dès cet été, l'enneigement mécanique. Donc dès l'hiver prochain, on part dans un nouveau millénaire pour Bruzon. Et je souhaite un super anniversaire pour les 50 ans de Bruzon. Et puis surtout, que les 50 prochaines années soient encore plus propices que ne l'ont été les 50 premières.